Le chien aboie, la caravane passe. Allons, je vais te montrer le terrain là. Donc, tu dois encore. Hein? Dao. Attends. Mais pourquoi tu es paresseux comme ça? Oh. Hein? Attends. Allons, je viens. Attends, je viens. J'arrive. Mais cousin, pourquoi tu ne veux pas qu'on rentre chez toi? Mais après tout, c'est ta maison. Il faut y mettre de l'ordre. Ouais, mais ça va aller. Hein? Regarde, tu viens avec des herbes partout comme ça. Tu ne peux même pas prendre une machette pour nettoyer un peu. Je vais cimenter. Tu vas cimenter, mais avant de cimenter, il faut nettoyer d'abord. Regarde ces planches-là. Tu peux quand même déposer une couche de peinture dessus, sinon la pluie va pourrir ça. Je vais mettre brique. Allons, je vais te montrer le terrain. Ah, allons, je viens. Bon, fais vite, parce que je suis pressé. Voilà, ok. Bon, je t'attends, fais vite. Ouais, j'arrive. Mais c'est pas possible. Même quand on est pauvre, c'est pas comme ça. Regarde tout ça. Allons. Tu décompes trop. Ah. J'ai trop dormi. Viens là. Tu dois me aller. J'ai encore ma femme à conduire. Terrain de la famille, ce sont mes terrains. Donc je vais m'occuper de ça comme si c'était moi-même mon affaire personnelle. D'accord. Maurice, c'est un faux type. Voilà. Maurice, c'est un faux type. Il a tout vendu. Okay. Et l'argent n'est pas resté. Il a tout cafouillé. Voilà, nous sommes arrivés maintenant. Ouais. Ok. Voilà. Dao. Ouais. C'est le plus grand terrain, ça. Ça fait partie. Ouais, ça fait partie. C'est un grand terrain. Ouais, hein. C'est un très grand terrain. Donc, tu vois, ça commence là. Ouais. Voilà, ça commence là. Où il y a le cocotier là. Voilà. Non. Après le cocotier là. Ouais. Ça commence après le cocotier jusque là. Ouais. C'est là les limites. Ah. Les limites. C'est le quatrième des terrains, ça? Ça, c'est le sixième. Non. C'est le septième terrain qui est voilà, là. Voilà, c'est le septième. C'est le septième terrain. C'est ça. Voilà. C'est le septième. Tu sais que c'est demain le départ. Ouais. Tu sais ça? Ouais. Et tu sais très bien aussi pourquoi je pars, n'est-ce pas? Je sais. Tu sais que nous ne sommes pas nombreux dans la famille. Ça, je sais. Ça aussi, tu le sais. Ouais. Si nous deux, on veut rester ensemble ici, là, on ne pourra rien réaliser. C'est pas bon. Ce terrain que je viens de te présenter là, c'est le terrain de famille. Donc ça me tient beaucoup à cœur. Non, ça nous tient à cœur. Ouais, ça nous tient à cœur. Ouais, ça nous tient à cœur. Tu as compris, non? Si je pars, dès que je commence à travailler, je vais te faire venir de l'argent pour que tu commences à construire. J'ai compris. Dao, ce que moi je peux te dire, oui. Moi, ce qui m'importe là, ouais. Tu arrives vraiment à partir. Non, ça va aller. Là. Ça va aller. Tu vois, non? Dieu et grand, puis dès que tu arrives là-bas, en même temps, voilà boulot, tu commences à travailler. Inch'Allah, tu comprends, non? Ouais, ça va aller. Ça, c'est mon souhait. Ouais. Là-bas, là. Tu sais qu'à Paris, là, on mange son totem. Oui, ça, on m'a déjà dit. Quand ça. Tu es là-bas, là, tu ne tries pas travail. Il ne faut pas trier travail. Oui, c'est vrai. Tout ce que tu trouves, tu fais. Même si tu trouves casser goudron, il faut casser goudron. Oui, il y a cassé. Même si tu dois laver cadavre pour avoir l'argent, il faut laver. Pour même pas avoir peur du travail. D'accord. Tu as compris, non? Oui. Tu peux compter sur moi. Oui. Tu peux vraiment compter sur moi. Il n'y a pas de problème. Donc, demain, avant de partir, je vais te remettre les dossiers des lots, là. Voilà. Les papiers des lots. Voilà, des sept lots. Hein. Voilà, des sept lots. Voilà. Je vais te remettre ça. Tu vois cette voiture-là? Oui. Je vais te la laisser. Ah ouais? Voilà. Je vais te la laisser. Tu vas chercher un preneur. Ouais. Si tu trouves quelqu'un, ouais. Tu vends et tu vas commencer à construire le terrain de la Riviera. Ah voilà, c'est ça. Ok? Ouais. Ok. Je compte sur toi. Il n'y a pas de problème. Bon, allons. Hein? Bon, tu as déjà vu le terrain là? Hein? Non, j'ai vu. Ça, c'est le septième. Voilà, c'est le septième et puis c'est le plus grand. Ouais. Okay. D'accord. Il n'y a pas de problème. Compte sur moi, Dao. Il n'y a pas de problème. Dao, compte sur moi. Il n'y a pas de problème. Allons-y. Donc, alors, tu vas me donner le papier là. Voilà. Je compte sur toi. Ouais.
C'est pas comme ici, hein. Pardon? Pas du tout. Là-bas, il y a le métro, il y a le tram, il y a le tunnel et tout et tout. Il y a la Manche. La Manche? Oui, la Manche. Quelle Manche? Manche d'Abi ou je sais pas? Pas la Manche d'Abi. La Manche, c'est juste un tunnel qui passe sous l'eau. Là, vous passez sous l'eau. Ben oui, c'est comme ça, c'est le développement, c'est comme ça. Toi, il va falloir que tu viennes en Europe. et l'hiver, en hiver, oh là là, chérie, je te dis pas, l'hiver est très rigoureux. Et ça caille. Ça, et quand tu vas venir, faudrait pas t'habiller comme ça en hiver. Hein. Ah non, 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 ça passe pas. Hein. Ça, je te l'ai dit, ça passe pas du tout. Hein. Ah bon? Oui, en hiver, non, pas du tout. Hein. Tu sais, en hiver, quand ton oreille te démange, tu comprends? Et que tu grattes fort, hein, ça risque de se casser et de te rester dans la main. Oh oui, hein. Ah ben non, l'hiver, pas du tout. Et la pluie. D'accord. Faut pas t'amuser du tout en hiver. Hein. Dis. Et t'es toujours, je veux dire, tu sors toujours avec Andjou? Quel Andjou? Andjou Joseph. Ben oui. Oh, lui, il y a longtemps, j'ai cassé son cou. Qu'est-ce que ça veut dire? Casser le cou, c'est quoi ça? Je l'ai zappé. Zappé? Oui. Qu'est-ce que c'est encore ça? Non, je veux dire que je l'ai laissé tomber. Ah, tu l'as... Oh! Oh, copine! Oh, chérie! Oh. Tu veux simplement dire que tu l'as plaqué? Oui, oui, c'est ça, c'est oh ça. Oh là là, mais t'as été méchante. Mais pourquoi? Oh, pourtant le mec, il était très gentil. Ma chère, est-ce que c'est gentil là, on va manger? Oh là là. Mais tu sais, moi je comprends pas, hein, ben, chez nous, en Europe, c'est pas comme ça. Hein. On vit vraiment en restreint. Ben, je vis avec mon mec et avec le chat. Il s'appelle Ousmenez. Ah, ton chat s'appelle Ousmenez. Ah ben non, non, non. Oh, oh, non, pas du tout. Ah non, compare pas mon mec au chat. Hein. Ah non, c'est mon mec à moi qui s'appelle Ousmenez. Ah d'accord, j'ai cru que c'était le chat. Ah ben non, et par contre, le chat, lui c'est Bouboule. Ah d'accord, Ah oui, c'est un gentil chat. Tu sais, Ousmenez, ça fait... latino-américain, tu vois. Ah, d'accord. Oh, il est gentil, tu sais, je l'aime très fort. Et là, tu sors avec qui maintenant? Ah, mon nouveau gars. Il s'appelle Go. Comment tu dis? Go. Oh là là. Go, Go. Phonétiquement, c'est difficile à prononcer. Non, Go. Go? Où? Oh. C'est bon. Ah ben non, laisse tomber. De façon, j'y arriverai. Tu vas apprendre après. Je vais apprendre. Je vais apprendre. Et là, ça va bien. Qu'est-ce qu'il fait comme boulot, lui? Bon, des fois, il vend du pétrole. Des fois, il travaille avec les gens qui font le goudron. Là. Oh, et puis, il vend aussi des terrains. Ah bon? Oui. Tu veux dire qu'il fait des petits boulots, c'est ça? Non, c'est pas des petits boulots. C'est un homme d'affaires. Homme d'affaires? Ouais, ouais. Et il s'en sort bien? Oui, très bien même. Ah, d'accord. Au début, c'était un peu difficile, hein, mais maintenant, là, ça se passe très bien. Attends, je vais l'appeler. Ah, d'accord. Mm-hmm. Il va juste venir, tu vas le connaître. Oh, d'accord. Allô? Oui? Go? Bonjour, chérie, c'est moi. Oui? Oui? Bon, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir rapidement, là? Je suis à la Gourmandine, aux deux plateaux vallons. Tu connais pas la Gourmandine aux deux plateaux vallons là? Mm-hmm. Voilà, c'est ça, c'est là, oui. Faut venir, je suis avec ma copine là, je vais te la présenter. Ok. Oh, t'es un chou. À tout à l'heure, bisous. Il arrive là. Oh, mais c'est super ça, vous vous aimez très fort. Oh, mais c'est cool. Oh, j'aime l'amour, tu sais. J'espère qu'il sera à l'heure, hein. Ah, parce que chez nous, hein, l'heure, hein, c'est l'heure pile poil. Hein. Sans problème, hein. Ah, non. Lui, il est toujours à l'heure. Ah, d'accord. Tu d'accord. sais, je t'ai dit qu'il vend du terrain, des terrains, c'est un homme d'affaires. Hein. Ah, d'accord, d'accord. Parce que chez moi... Bonjour monsieur. Salut la caisse. Bonjour monsieur Go. Bonjour monsieur. Ouais.
Comment ça va? Ok. C'est toi? Ouais. Ça va? Voilà, c'est Go. C'est mon coin ici. Ah! Ben ouais. Ouais. Donc c'est lui Go, mon chéri dont je t'ai parlé. Oh là là. Elle, c'est mon amie dont je t'ai parlé. Mon... Oh! Bien en Europe. Ah ouais. Oh, en plus, il est cool, hein? Il est cool. Elle est bien en Europe, oui. Ah d'accord, ça va en Europe? Oui, ça va très bien en Europe. Tu sais, l'Europe, tout est propre. Oh là là. Oh non, 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 l'Europe. J'ai mon frère qui habite là-bas aussi. Et lui? Ouais, ça fait 2 ans qu'il est parti. Et puis bon, il travaille là-bas. Il est technicien de surface. Ah, 2 ans? Oui. Et technicien de surface? Ouais. Il ne fait pas grand-chose, lui. Qui a dit ça? Technicien de surface? Ah! Mon vieux, lui, tout le monde le connaît là-bas, hein. Ah bon? Ouais. Il est dans quelle ville? Ce qui est sur les. Où il y a les Droba Didier là? Droba Didier, Polo Habib. La dernière fois même, ils ont fait photo ensemble, ils m'ont fait venir ça. Oh vraiment ton mec! Il est marrant! Mais... En fait, vous voulez parler de Chelsea? Qui? Chelsea. Ah oui, Droba, il a Chelsea. Ah, donc il n'est pas en Europe? Si, il est en Europe. Attends, vous voulez dire quoi? Je ne comprends plus. Je ne comprends pas. Tantôt il est à Chelsea, tantôt il est en Europe. Moi, je ne comprends plus. Où il est en Europe, où il est à Chelsea? Oh, chérie, oh, ton mec, il est formidable. Il me fait rigoler. Il y a longtemps que je n'ai pas ri. En fait, monsieur, comment est-ce que je peux vous expliquer ça? L'Europe? C'est un continent comme l'Afrique. D'accord? Mm-hmm. D'accord? Mm-hmm. Ok. Et en Europe, il y a des pays comme en Afrique, il y a la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Gabon, la Centrafrique, le Cameroun, et tout ça, et j'en passe. D'accord? Mm-hmm. Vous me suivez? Et en Europe, il y a un pays qu'on appelle l'Angleterre. D'accord? D'accord? Mm-hmm. Vous me suivez jusque-là? Ça va? Mm-hmm. Et en Angleterre, il y a une ville qu'on appelle Chelsea. Donc, moi, je ne vis pas en Angleterre. D'accord? Mm-hmm. D'accord? Je vis en Allemagne. D'accord? Mm-hmm. Plus précisément à Hambourg. D'accord? Mais c'est simple. Vous voyez? Plus simple, non? Ah, okay. Voilà, je comprends maintenant pourquoi les mandats durent en route. Quand il faut les mandats, ça n'arrive pas vite. Vous faites donner l'argent ici. Oh, mais c'est pas possible. Mais ton mec, je dis, c'est quelqu'un de marrant. Mais quel rapport, je ne trouve pas. Oh, c'est pas possible. En Afrique, on vous rigolez toujours. Excusez-moi, il y a longtemps que je n'ai pas ri comme ça. Dis, le mec, ça, c'est quoi? Il doit nous attendre. Oui. Ça, c'est quoi? Et c'est mon portable. Téléphone? Ah ben oui, c'est un téléphone. C'est là? Ben oui. Dis, je dois l'accompagner pour présenter sa marchandise à un monsieur là. Non, il n'y a pas de problème. Oui, oui. Vous pouvez me permettre d'essayer un numéro. Vous, qu'est-ce que vous voulez? Je voulais appeler un numéro. Un numéro? Sur mon portable? Attention, je suis sur le roaming. Non, c'est pas le roaming. Je vais appeler quelqu'un seulement. Allez. Oh non, écoutez, c'est pas comme ça. Vous allez l'abîmer, mon portable. Je l'ai acheté très cher. Donc, vous n'avez qu'à l'ouvrir comme ça, c'est simple. Ok? Où on lance? Oh, ben là, c'est sur le verre. C'est sur le verre. Allô? Valentin, c'est Gourou. Ta position? Ah, t'es déjà sur le terrain. Mais il fallait m'appeler, Joe. Non, il fallait m'appeler. Hein? D'accord, ne bouge pas. Tu restes là, j'arrive dans 2 minutes, ok? D'accord. Ok. Le son est digital. Oh, mais vous... Ah, bébé, vous connaissez les portables? Ah. Bon, vous avez demandé ça pour moi? Ah oui, oui, oui. Mais... Pour moi? Ah oui, ben, comme ils t'ont vu. Oh, non, mais là, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. Non, je ne pourrais pas.
Okay, pas de problème. Vous pouvez l'emballer. Hein? Ah oui, nous on va l'emballer. Bon, moi je vais vous laisser. D'accord. Hein? Parce que je dois courir. Okay. Hein? Okay. Allez. Oh, au revoir, monsieur. Ouais. Puis il est sympa, le mec. Oh là là. Et puis il est bon chien. Oui, oui. Oh, oui. Il me plaît déjà, tu sais. Ah. Bon. Attention, c'est mon mec. Oh non, pas du tout. Oh, ben je sais, hein, je sais. On touche pas au mec de sa copine dans ses camps. C'est pas du tout gentil, c'est pas bon. Oh là là. Écoute, on va partir. Ok, ok. Parce que ces gens-là, ils n'attendent pas. D'accord. Comme tu connais la ville, tu vas te mettre devant. Okay. Sinon, c'est déjà réglé. Hein. J'ai tout payé. J'ai même laissé le pourboire. Ok. Ok. Okay. Okay. D'accord. D'accord. Ça va. Bon, on y va. Ok. Ouais. Tu sais, le mec, il a acheté tout caché. Oh, toute la marchandise. Il a l'argent, le monsieur, là. Ah, c'est comme ça que je t'ai amené là-bas. Oh, elle aussi. Il a un bon acheteur. Oh, oui, il est très bien, bon. Il revend bien aussi. Oh, oh dis, chérie, oui? Tu pourrais pas... disons, est-ce que je pourrais pas t'envoyer la marchandise pour que tu les places ici pour moi? Mais si, je peux le faire. Oh là là, ok, oui. Oh, tu es chouette. Oh là là. Ok, on va aller vite. Oh, oh. Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là! Ouh, on se croirait en bout! Quelle belle bâtisse! Quelle architecture! Faramineuse! Oh là là! Tu parles de la maison là? Ben oui! Ah! Ça, là, cette maison là, tous ceux qui passent la tombent sous son charme. Hein. Ah ben je te oui. Dis pas! Nous on n'a pas l'argent pour construire aussi haut, donc on passe, on regarde pour se rincer les yeux et puis c'est tout. Oh là là, mais je te dis pas, on se croirait en bout! Ah, en bout! C'est pas possible! Vous pensez que nous on n'a pas de bonnes choses ici aussi quoi? Ah ben il y a des maisons plus jolies que ça aussi! Oh ma copine dit c'est les blacks maintenant! Maintenant ils ont des idées géniales! Oh, dis! Tu pourrais pas prendre des renseignements pour moi parce que ça m'intéresse. Quel genre de renseignements? Oh, à savoir si c'est en location ou en vente, quoi, tu vois. Non, ça m'intéresse. Hein? Non. Ça là, oui? C'est pour un jeune là. Un jeune? Un jeune de rien du tout. Oh, c'est pas vrai ça. Si, il vit en Europe. Il a construit la maison là. Maintenant, quand il vient ici là, oui? Il habite dedans. Mmh. Mmh. Moi, je pense que ce petit-là, vraiment, il a eu une très bonne idée. Oh, ben, tu sais quoi? Les parents plaques. Qui sont là-bas, là, ils devaient faire des choses comme ça. Hein. Ils devaient construire des maisons ici. Mmh. Comme ça, quand ils viennent, ils habitent dedans. Au lieu de rester chez des parents, chez des amis ou à l'hôtel. Oh tu oui, mais c'est génial. Oh, mais je te dis pas, hein, les blacks commencent à avoir des idées géniales. Ah. Ça, c'est pas vrai, ça. Oh là là! Oh ben, ça m'intéresse, ça, ça m'intéresse. Tu sais ce que tu viens de dire? J'y pense, mais je ne sais pas à qui confier la gestion de mes affaires, tu vois. Ah. Ben, le frangin, lui, tu sais, lui, oh, il est très moche, hein? Ah ouais. Oh, il n'a rien de la tête. Ce petit, dès que j'envoie des sous à la vieille, hop! Et puis c'est les nanas, les boîtes de nuit. Ah ben non, à celui-là, je ne peux pas confier ma gestion. Ah, nous, on est au courant de ce petit-là. Ah ben, ce petit, non, il me fatigue, je t'assure, il me fatigue. Et dans oui, le crâne. Oui, ça c'est vrai parce qu'au quartier, on l'a surnommé le vrai gars. En plus, il se fait appeler le vrai gars. Que des conneries. Oh, mais c'est pas vrai. Mais dis, oui. Est-ce que ça ne t'intéressait pas que je t'apporte de l'argent pour que... je puisse construire une telle bâtisse ici. Hein? Tu vas t'en occuper, tu sais. Ma copine, celle-là, tu sais que c'est compliqué. Hein? Compliqué en moi, quoi? Moi, tout ce qui a fait d'argent, là, je n'aime pas. J'ai trop peur de ça. Mais non. Tu sais là où je peux t'aider, là? C'est par rapport au terrain. Mon ami avec qui on était tout à l'heure, là, Gou, il vend des terrains. Comment lui? Il vend des terrains. Oh zut! Celui avec qui on était au glacier là. Oh, je l'avais oublié ce mec. Si, il vend des terrains. Et lui, ces terrains là, c'est sûr, hein, avec tous les papiers. Avec tous les papiers? Tous les papiers. Toute la paperasse? Oui. Oh là là, mais ça semble. Oui, c'est pas comme les gens. Ok. Les terrains, on vend à plusieurs personnes en même temps. Ok, ça marche, ça marche. Voilà. Tu sais, ça marche. Ça, je vais le voir pour toi. Ok. Oh, merci beaucoup. Tu sais, bon, quand ce projet va prendre forme, quand ça va commencer, que je vais commencer à t'envoyer des sous, et pas un traitement à la famille, hein. Tu connais ces vieux sorciers d'ici, hein. Je veux pas qu'ils aient l'œil sur moi. Tu vois, non, tu vois ce que je veux dire? Oui. Ah bon, pas un traitement hein, à la famille. D'accord. Tu sais, je te fais confiance. Oh, oh, mais tu es formidable. Merci. Tu vois la limite? C'est un grand terrain, hein? Oui, je vois. C'est un grand terrain, ça, je t'avais dit ça.
Regarde, hier, quand on a mesuré là, c'était la limite du mur là. Ouais. Tu vois? Et tu vois, tu passes derrière le cocotier, tu vas jusqu'au coin. Maintenant, tu prends, tu viens où il y a le sable. Ça, c'est la limite. Ça passe ici. Et puis, tu vois le poteau là? Oui. Voilà. Okay. Là-bas, ça fait 20 mètres. Ici, ça fait 30 mètres. Okay. Donc, le tout, 600 mètres carrés. 600 mètres carrés. Les 600 mètres, voilà. Tu comprends, non? Oui, je vois, je comprends. Est-ce qu'on est clair? Il n'y a pas de problème. Voilà, donne l'argent. Et ce monsieur, qu'est-ce qu'il faut là? Donne l'argent, lui, c'est pas ton problème. Tu es venu chercher le terrain ou bien c'est l'homme qui est venu chercher? Ça te regarde? Donne l'argent. Tu peux vérifier, hein? Ok. Tu as classé par l'eau de 10, non? Oui. Ok. Et le titre foncier? Pardon? J'ai dit le titre foncier. Quel titre foncier? De ce lot, le titre foncier de ce lot. Ah, non. Tu n'as jamais acheté un terrain? Non, c'est la première fois. Ah, ça se voit que c'est la première fois. Hein. Ah. Regarde-moi ça, titre foncier. Je ne suis pas nouveau dans ce domaine. Hein. Je suis à ma cinquième vente. De ce lot? Comment ça, de ce lot? Ça veut dire quoi ça? Vous voulez m'apprendre quoi? Si c'est titre foncier, tu demandes en même temps, tiens. Hein. Non, parce qu'on n'est pas encore allé loin. On n'a pas ce chamaille dessus. Ça va. Je te fais confiance pour ça. Hein. Je n'ai pas le seul client. Hein. Ok. Voilà. D'accord, bon. Au revoir, monsieur. Merci, au revoir. Ok. Donc tu m'appelles et puis je te donne le papier, hein. Voilà. Sois vigilant. Okay. Allô, Dao, c'est Gou. Mais déplace-toi, j'ai un problème de réseau, faut te déplacer. Voilà, je t'entends maintenant. Rappelle-moi. J'ai dit c'est go, rappelle-moi vite. Ah. Ce salaud-là, il va finir mes unités. Bon, allons, viens. Dao. Allô. Oui, allô, Dao. Oui, c'est go, voilà. Dao. Voilà, mais envoie l'argent là maintenant. Non, mais envoie l'argent là. Tu attends quoi pour avoir... Oh, non, tu déconnes. Mais fais venir l'argent là maintenant. Non, le sable est fini, le ciment est fini. Bon, il n'y a plus d'eau, tout est calé. Même les employés se plaignent à tort et à travers, n'importe comment. Mais fais venir l'argent. Non, mais quand on ne peut pas faire quelque chose, on ne commence pas. Hein? Mais je t'ai dit... Quoi? Moi je suis sur le chantier actuellement, je suis sur le chantier. Quoi? L'état d'avancement des travaux. Moi mais je t'ai dit, j'ai dit le mur est déjà monté. On est au chaînage. Hein? Mais il faut l'argent pour terminer le travail. Tu déconnes Dao. Tu déconnes. Il faut l'argent pour terminer. Hein? Mais s'il n'y a pas l'argent, comment on peut terminer s'il n'y a pas l'argent? Oui mais d'accord, tu fais venir l'argent. Ce soir même. Oui, mais Dao, il n'est que 16 heures. Ah! Quoi? Vous allez qu'à 18 heures. Mais vous allez trop vite. Oui, mais Dao, bon, d'accord, demain. Dao, je compte sur toi. Fais venir l'argent, je vais finir les travaux là. Voilà. Ok, d'accord, merci, au revoir. Allô, Dao, allô, voilà, Dao, je t'en prie, fais-moi venir un portable. Je veux un portable. Parce qu'à force de t'appeler, mon portable a pris un coup. Oui, d'accord, fais-moi venir un portable. Ok, merci. C'est quel portable ça, là même? Ça, c'est démodé. Et puis, ces salauds-là, quand ils se retrouvent derrière l'eau, là, ils pensent que nous, on est gaou ici, hein. Mais ils sont surpris, quand ils arrivent ici, là, ils sont surpris qu'en matière de monde, là, nous, on est devant eux. C'est là qu'ils sont battus. Allons-y, il n'y a pas de temps à perdre. Voilà. Monte vite. Ma copine. Ça va? Oui, ça va ici. Oui. D'accord. Ok, je vais prendre le numéro.
05 07 90 08 87 13 29. D'accord. Question Europe. Réponse Afrique. Ok. Ah, c'est comme les autres fois, quoi. D'accord. D'accord. Hein? Non, non, pour les papiers. Non, il va me donner. Là, je suis chez lui comme ça. Dès qu'il arrive, je m'en vais retirer. Non, je lui ai déjà parlé des papiers. Il attend l'argent seulement pour me les remettre, quoi. Tu as trop froid. Mais il faut bien découvrir. Quand on voit les gens à la télé, là, en tout cas, ils portent des gros habits, là. Hein? Oh, écoute, porte-toi bien et puis il faut te protéger, là. D'accord. Voilà. Tout à l'heure, dès que je retire, je t'appelle. Hein? Je vais t'appeler pour te dire. À plus. Allô, chérie. Tu sors d'où comme ça? Où? On dit quoi? Oh! Ah, c'est le boulot qui veut nous tuer. Ça va? Assez de démarches. Ah ouais? Comment ça va, chérie? Oui, ça va bien. Va dis-moi. Bien? Oui, il y a un petit truc là. Quoi? Oui. Ah bon? Oui. Les papiers de terrain de ma copine là, tu ne m'as pas encore donné. Tu me les donnes quand? Mais attends, elle me doit encore de l'argent. Donc, dès qu'elle me remet de l'argent, je te remets le papier. Tu exagères. Elle te doit combien? Ah, 200 000. Ah. Ah. C'est à quoi de 200 000 francs? Ah. Toi aussi. Ah non, en matière d'argent, il n'y a pas de toi aussi. Hein. Elle n'a qu'à donner. Oh. À cause de ça, tu es chaud comme ça là. Ah. Tu sais qu'elle m'a appelé tout de suite. Ah. Elle m'a envoyé un mandat. Voilà. Ah. Donc, on va aller retirer l'argent là. Allons en même temps. Ah, attends, l'argent même que tu as pas me donner là, à cause de ça, tu es oh, chaud là. Blague. Mais tu sais, oui. Il y a un petit truc qui m'intrigue. Quoi? Elle m'a expliqué des choses là. C'est qu'elle veut que je sois son homme de main ici. Elle veut que je m'occupe de ses affaires sur place. Oui. Et vraiment, tu sais, moi, tous les trucs qui a fait d'argent, tout ça là, j'ai peur de ça. Ça mélange trop les gens. Donc, moi, j'ai peur. Et en ce moment là, je suis en train de réfléchir. Tu réfléchis à quoi? Tu sais, quand il s'agit d'argent, on ne réfléchit pas longtemps. Non, tu as peur de quoi? Tu sais pas que tu peux devenir quelqu'un dans ça, hein? Mais comment? Pouah! Si tu as peur, là, mets-moi sur le coup. Là, je vais te montrer comment on s'occupe des affaires des gens qui sont loin comme ça, là. Ça, là, il y a l'argent dedans, hein? Bon, écoute, ce qu'on va faire. Ha. Toi, tu vas m'expliquer et puis moi, je vais faire ça pour elle. Hein? Il n'y a pas de problème. Tu sais, on ne sait jamais d'où vient son bonheur. Ça vient te frapper à la porte comme ça, en pleine poitrine, boum! Et puis tu vas refuser. Attends. Bon, écoute, je t'attendais pour qu'on aille chez ma copine. À l'invitation, là? Oh, oui, à l'invitation. Ah, oh, mais je dois aussi prendre mon ami en route. Hein. Mais on le prend et puis on s'en va chez ma copine. Ah, coco dans coco. Oh, ça, on est habitué pas, hein. À ça. D'accord, donc on peut y aller. Mm-hmm. Allez. Attends, je vais ranger un peu tout ça. Attends, okay. Tu dis ça, tu vas acheter une voiture ou quoi? On ne sait jamais, peut-être que tu vas m'offrir une voiture. Hé, hey, il faut acheter pour toi. Hein. Ah bon. Je me demande comment il fait pour toi là-haut. Comment il fait pour toi là-haut. Oh. Je me demande comment il fait pour toi là-haut. Comment il fait pour toi là-haut. Oui, allô Go. Mais c'est quoi ça? Mais on t'attend là tout à l'heure d'avenir. Tu as quoi? Oui, mais tu es où?
Bon, ok, mais dépêche-toi, hein, ok? Ok. Ouais, il n'est pas loin, donc tout à l'heure, tu lui fais. Mais je compte sur toi, un travail efficace, tu vois. Il n'y a pas de problème. Tranquille. Je veux faire ça propre, t'inquiète. Faut même pas t'inquiéter là-dessus. Franco Badji, la présence d'un homme sous. Là, les gars, excusez-moi pour le retard. Allez, ça va toi? Prends le bon. Bien, allez, on y va. Hey, ma fille! Ma fille! Bon, comme d'habitude, champagne! Allez, mettez-moi le triangle. Parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Vous avez assez de pognon aujourd'hui? Y a pas de problème. Ouais, on te fait comme d'habitude. Ok, cette fois-ci, on ne fuit pas, hein, on fuit pas le jeu. Le champagne, ça vient ou ça vient pas là? Allez. Voilà, merci ma fille. Allez. Non, laisse ça. Après, la fête après. La fête après, moi je commence la fête avant tout le monde. Allez. C'est parti. On est prêts? Ok. Bien. Maintenant on passe à combien de... Là, tu seras vide, alors à 6. Allons à 6. Ok. Bon, allez, ramasse ton argent parce que... Ok, vas-y, prends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Il te reste combien en même? Et ton 7 en même temps? Ah bon, alors, okay. Allez, allons à 7. Allez. Je me demande comment tu fais pour toi. Comment tu fais pour toi là? C'est de toute façon. On remet ça? On remet? Ouais, on prend. On remet. Ça m'est égal. Ça m'est égal. Comment tu fais pour toi là? Allons, 10. 10? 10. Ok, ben allons-y. 2, 3, 4, 5, 6. 7, et si on part à 12? 8, 9, 10, 12! 12. Okay. Voilà, 12. Il reste un billet, non? On me disait en même temps, t'es bon, non? C'est ce qu'il me reste, hein? Ben voilà, allons-y de toutes les façons. On y va? Allez, tenez, vite. Allez. C'est à moi, hein? Je me demande comment tu fais pour toi là-haut. Oh là là, je suis pas dans mon grand jour aujourd'hui. Je me demande comment tu fais pour toi là-haut. Comment tu fais pour toi là-haut. Vrai. Il est maillé, Sumuruya, il est de Dunyabana. Il est maillé, Sumuruya, il est de Dunyabana. La cour royale. Ah là 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 là. Fallait pas. Vous êtes faible,
Bon, c'est perdu aujourd'hui. C'est perdu aujourd'hui encore. Mais de toute façon, moi, c'est pas l'argent qui m'intéresse, c'est le loisir qui m'intéresse. Le plaisir qu'on a dedans, c'est ça qui m'intéresse, c'est pas l'argent. Sinon, l'argent, j'ai déjà l'argent. Si j'en manque, il suffit de claquer le petit doigt et ça tombe, hein, l'argent. Vous savez, dans la vie, quand on a l'argent, il faut vivre. Sinon, le jour où tu meurs, c'est d'autres personnes qui en profitent. Hein? Bon, allez, on se retrouve la semaine, demain au casino. Okay. Cette fois-ci au casino. Vous êtes sûr que vous allez tenir? Ah là, je vais vous faire le break cette fois-ci. Ok, on hein? Bon, allez mon gars, on s'en va. Hein? Allez, 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 à bientôt, à demain, voilà. Allô, Dao. Dao, c'est Gohou, rappelle-moi. Rappelle-moi, oh. Ce salaud, là. C'est tranquille, là-bas, vous pensez que ici, là, c'est quoi? Ouais, il a plu dehors, ici, hein. Donc, il pleuvait, là. Attends, tu penses... Les enfants, là, ils pensent que c'est l'argent, ils ont eu comme ça, hein. Ça, c'est rien. Ça, oh. C'est pas l'argent, ça. Oh, arrête de me suivre comme ça, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ces manières-là? Tu n'es pas mon homme, là. Si tu fais attention, pas moi, je vais te gifler. Voilà. Ah, allô, Dao, c'est toi? Bon, voilà, Dao. Dao. Non, fais-moi venir l'argent parce que les éléments sont finis. Non, mais Dao, faut pas déconner. Dao, faut pas déconner. Dao, ne déconne pas. J'ai dit, les nécessaires sont finis. Et donc, si l'argent ne vient pas maintenant, bientôt les commerçants rentrent en grève illimitée. Une fois la grève commence ici, là, c'est fini, je ne pourrai plus rien. Mais ce n'est pas un seul chantier, Dao. Fais-moi venir l'argent. Fais-moi venir l'argent. Dao, n'oublie pas ton passé. N'oublie pas ton passé. Mets-toi en idée que c'est l'homme qui fait l'homme. C'est ça, c'est l'homme qui fait l'homme. Dao, voilà, donc fais-moi venir l'argent ce soir, hein. Ah, toi, tu aimes trop demain, tu aimes trop ça. On dit, qui remet à demain trouve malheur en chemin. Donc, voilà, donc, d'accord. Ok, donc j'attends l'argent là pour faire le travail. Tu as compris, non? Ok, mais Dao, c'est quel portable qui m'a fait venir comme ça là? Hein? C'est un portable dépassé. Ici même, les gens n'utilisent plus ça, c'est fini ça. Attends, nous, ici là, nous, on est en avance, hein? Attends, bon, laisse. Celui-là, il perd réseau. Bon, fais-moi venir un autre portable. Hein? Je veux un portable, dernier cri. Ouais, double écran, écran couleur, avec appareil photo, caméra, tout ça, un son digital, avec un système Bluetooth. Voilà, fais-moi venir ça. C'est important pour moi. Voilà. Ok, d'accord. Donc, à demain, Dao. Dao, je compte sur toi. C'est l'homme qui fait l'homme. N'oublie pas ton passé. Voilà, d'accord, je t'attends. Merci beaucoup. Dao. Ah, ils sont assis. Mais patron, quand tu parles au téléphone, faut parler doucement. Faut pas trop crier. Quand tu parles doucement, il t'attend. Ah, tu connais quoi? Tu connais quoi? Tu crois qu'il est à côté ici? Quelqu'un qui est en Europe, si tu ne parles pas fort, comment il peut entendre? Regarde, ça, là, c'est pas une affaire de muscles. Tu comprends? Tu peux rien m'apprendre. Fous-moi le camp. Oh. Regarde-moi ça, il faut parler doucement. Toi, tu peux m'apprendre quoi? Si c'est les muscles, d'accord, mais c'est ça, c'est pas une affaire de muscles. C'est la tête qui travaille ici. Fais-moi ça. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait comme ça? Ma chambre principale,
Cassez-moi un côté où je vais déposer la coiffeuse. Ils ne le font pas. Où je vais déposer mes maquillages. Et même le salon, le deuxième salon. Agrandissez-moi un peu ce deuxième salon. Mais vraiment... Oh, c'est là où je dois recevoir mes visiteurs de marque. Ça aussi, ils ne le font pas. Ils sont... regarde-moi tout ça là. Hein? Je veux du travail, je veux du travail. En deux jours seulement d'absence, ils foutent tout en l'air derrière toi. Ils vont m'entendre. Si c'est chez moi, ils ont trouvé le travail là, ils vont m'entendre. Qui m'appelle encore? Allô? Ah, voilà, Wabé, ça tombe bien. Je t'attendais. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Tu dois faire venir l'argent depuis, je suis là, je t'attends. Et puis tu es assise là-bas. C'est quoi ça? Tu sais quoi? Quand on n'est pas prêt là, on ne commence pas. Là, tu me mets dans des situations, je ne sais même pas comment m'y prendre. Tu dis quoi? C'est pas facile. Mais attends, c'est pas facile là, ça veut dire quoi? Ce que je suis en train de faire là, c'est pour moi-même. C'est pour toi, hein? Je le fais pour toi. Pour notre amitié. Tu peux pas venir me dire non, c'est pas facile. C'est parce que je suis en train de faire tout ça pour toi. Tu crois que je n'ai rien d'autre à faire ici? Non, 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 non. Non, je m'énerve pas. J'ai dit, je ne m'énerve pas. Mais c'est pas ton comportement. Je n'aime pas ça. Tu me fais attendre comme ça inutilement. Hein? Tu as envoyé. Toi aussi, fallait me dire ça. Tu me mets sur les nerfs comme ça. Oui, non, 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 c'est pas ça. C'est parce qu'il y a longtemps, je t'attends. Ok. C'est le 05 06 77 98 09 19. Question euro. Réponse CFA. CFA, j'ai écrit. Ok. C'est comme d'habitude, hein? Oui. Ah. Ok, là même, je suis sur le chantier comme ça. Oui. Comment ça? Ceux-là, ils n'ont pas de cherche travail. Bon, regarde-moi tout ça là. Le tuyau qui traîne partout, le tuyau est cassé, l'eau qui coule. Mais c'est moi là, c'est eux qui vont payer l'eau là. Mais descends. Pas jouer mou comme ça, c'est pas bon. Hein. Ça, là, si on prend déjà, c'est comme si le bâtiment existait avant. Ça, là aussi, c'est un peu délabré, par contre. Ça fait vieux, non? Ça, là, c'est bon. Donc, ça, c'est bon, non? Regarde bien. Hein. Ça, là, c'est bon. Hein? Bon, photographe. Tu vas, faut prendre ici déjà. Faut prendre là. Prends. Tu as pris? Oui. Bon, viens. Faut prendre ici, prends ici. Prends comme ça. Mais évite le mur. Évite le mur. Prends. C'est bon? Oui. Bon, viens. Évite la voiture. Pardon, s'il te plaît. Évite la voiture, s'il te plaît. Hein? Voilà. C'est bon? Oui, c'est bon. Viens. Là, le portail va gêner. Bon, viens, voilà. Prends ici, avec la vitre. La vitre. Et tu évites le mur et la voiture. C'est bon? Oui. Bon. Attends, mais ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Attends, ça c'est bon, non? Hein? Hey, mais ça, là, c'était bien. Oh! Non, mais là ça, c'est un bâtiment fini. Là, il ne va pas faire venir l'argent encore. Lui, il va penser que tout est fini. Donc, ça, c'est... Bon. C'est bon, hein? Oui, c'est bon. Tu me donnes les photos quand? Demain. Demain? Oui. Ce soir, ce n'est pas possible, hein? Non, demain. Demain? Oui. OK. D'accord. Donc, si tu amènes les photos, je te donne l'argent. D'accord. Hein? Oui. OK.
Allô, Dao. Dao. Ouais, c'est Gohou. Bon, voilà. Dao, tu sais, il faut que tu fasses venir l'argent encore. Non, fais-moi venir l'argent. Moi, je suis en train de travailler. Je suis en train de travailler. Ton bâtiment, il est fini. Oui. Non, non. De toute façon, je vais te faire venir les photos. Quand tu vas voir les photos, tu sauras que j'ai abattu un travail énorme pour toi ici. Voilà. Maintenant, bon, non. L'argent pour faire venir les photos. Moi-même, je vais sacrifier mon argent pour te faire venir les photos. Laisse. Laisse. Mais non, il faut faire venir un peu plus d'argent. Parce que j'ai déjà vu un jardinier pour les fleurs autour et puis les fleurs dedans. En tout cas, ça serait fabuleux, fabuleux, fabuleux. Voilà. Mais Dao, Dao, il va falloir que tu augmentes l'argent parce qu'il faut un mur. Il faut un mur parce que quand les gens passent comme ça, le bâtiment est tellement beau. Quand les gens passent comme ça, ils n'arrêtent pas de crier. Ça crie « wow, wou, wou, wou ». Ça, là, ça va tirer l'attention des sorciers sur toi. Oh, moi, je ne veux pas que les sorciers te bouffent. Voilà, c'est ça. Donc, demain, je te fais venir les photos, hein? Ok, mais faut faire vite pour l'argent, ok. Ouais, merci. C'est mieux comme ça, non? Bon, ça va, ça va. Toi, tu faut me faire des photos propres. Tu laves sur du brillant, mat là je veux pas. Parce que quand c'est brillant, ça le mur va briller encore. Tu vois, non? Mm-hmm. Voilà, allons-y. Attends, tu reconnais ici, non? Oui, oui, je te connais. Tu reconnais ce coin là? Bah, moi je ne reconnais plus, hein. Je ne reconnais pas ici. Oh. Bon. Je me demande comment tu fais pour toi là-haut. Comment tu fais pour toi là-haut. Oh, je me demande. Ça c'est déjà pris? Non. Et les prix sont pas affichés? Si. Oh. Ah oui, je vois. Je veux ça. Oui, je veux celui-là. Oui. Je veux ça. Wow. Ouf. Mais ça c'est super joli. Ah oui. Ça, votre prix sera le mien. Je le prends. Je discute même pas. Je fais ça aussi. Comme ça et celui-là. Oh, ça c'est vraiment. Pour ma chambre. Ça c'est l'ensemble, non? Je le veux aussi. Ah oui, je veux ça aussi. Non, je veux ça. Ok, donc ça me fait l'ensemble ici. Celui-là, et puis la baignoire. Okay. Donc vous me faites, monter tout ça. Bon, celui-là, je veux 100 mètres carrés. Tu as tout noté, hein, avec les autres que j'ai choisis. Oui, c'est tout à noter. Ok, donc emballez-moi tout ça. Je vais chercher des affaires là, je reviens prendre. Vous avez un camion, non? Oui, non, ne vous en faites pas. D'accord. Ok, à tout à l'heure. Ake doni doni, ni make doni doni,
Nous saluons la présence de Monsieur Gong, Michel. Je me demande comment tu fais pour toi là-haut. Comment tu fais pour toi là-haut? Oh, je me demande comment tu fais pour toi là-haut. Comment tu fais pour toi là-haut? Oh, s'en fout de toi. Il est maillé, Sunguru ya télé de Dunyaba. Il est maillé, Sunguru ya fana de Dunyabana. Il est maillé, Kamele ya télé de Dunyaba. Il est maillé. C'est bien beau. Premier Gourou Michel. Ce soir la folie à la cinquième, la folie totale. Le champagne musical assuré par DJ JP, le roi de la forêt. Également DJ Prince Mad. Madame Traoré Yola. Le président Gourou Michel, il va travailler. Championnat, tout terrain. Il est fort. Il est fort. Allez pour Kafouba. Pour Kafouba. Aza Bayema. Allez Kalema. Aza Bayema. Allez Kalema. Allez décaler coupé chinois. Allez décaler coupé chinois. Allez Ligicho. Quoi tonke. Ligicho. Quoi tonke. Ligicho. Quoi tonke. Il va décaler. Aza Bayema. Allez pour Kafouba. Pour Kafouba. Hey Kafouba. Allez pour Kafouba. Pour Kafouba. Allez développer. Tagasile bon. Gasile. Braga gasile bon. Hein hein. Braga tagasile bon. Gasile. Braga gasile bon. Il est maillé, Kamele a télé de Dunyaba. Il est maillé, Kamele a fana de Dunyabana. Ni les baguets, ni Bensumuru yakebi. Ni les baguets, Hikake ni Hakili. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour le président Gourou Michel?
Allô? Oui? Voilà, ça tombe bien. Moi-même, je voulais te biper pour que tu me rappelles. Voilà. Pourquoi? Mais l'argent est fini, Joe! L'argent est fini! Hein? Quoi? Tu as un congé? Quel congé? Mais pourquoi? Pourquoi tu as un congé? Attends, toi, tu ne m'as pas dit que tu es technicien de surface. Donc, oh, donc tu travailles pour quelqu'un d'Ao. Mais tu me fais honte. Quoi? Tu viens? Mais pourquoi? Pourquoi tu viens? Déjà? Attends, toi tu es parti quand déjà? Tu as tes papiers? Toi, tes amis vont là-bas, ils font 20 ans avant d'avoir papier. Toi, tu es parti hier seulement là, tu as papier déjà. Regarde, si tu n'as pas papier, moi je te conseille de rester là-bas. Parce que si tu viens sans papier là, tu ne vas plus repartir. Donc, il faut rester là-bas un peu. Attends, reste là-bas un peu. Quoi? Hein? Tu vas venir? Mais pourquoi? Pourquoi? Et puis, Dao, allô, Dao, tu n'es plus dans le réseau, Dao, tu es déconnecté, allô, Dao, tu es coupé, hein? Tu n'es plus dans le réseau, tu n'as plus le réseau. Ah, c'est coupé, hein? Voilà. Aïe. Oh. Maintenant, quel est ce regard-là? Ça veut dire quoi, ça? Hein? C'est toi qui crée les problèmes des gens. Regarde-moi ça, tu n'as pas honte. S'il dit qu'il arrive là, c'est ton problème. Hein? Bon. Non, c'est pas la peine ça. Où est la voiture? Hein? Là-bas, viens, viens. Allons-y. Laisse tomber, c'était un cauchemar. C'était un cauchemar. Un cauchemar? Oui. Tu m'as coupé le sommeil, hein? Mike? J'ai dit c'était un cauchemar. Non, ton portable sonne. Ah, d'accord. Hey! C'est Dao. C'est Dao. Je suis pas là. Je suis même pas là. Je suis pas là. Réponds. Allô? Oui, Dao. Ça va? Ok, oui, moi aussi ça va. Ah, go. Je suis pas là. Ah, go. Ah oui. Go, il a voyagé, hein.
Bon, il a perdu son oncle, hein. Il est reparti. Non, non. Quel oncle? Non, il est parti il y a une semaine. Non, non, yeah, yeah. Ah non, non, j'avais oublié, il est parti il y a deux jours. Non, yeah, 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 yeah. Il est parti il y a deux jours. Yeah. C'est quoi, même? Mais c'était hier soir. Hier soir. Allô, Dao? Oui. Mm-hmm. Ah, tu l'as eu? Yeah. Ah, d'accord. Yeah. Ah, il est parti, c'est vrai, il est parti hier. Nuit, nuit, nuit. Il est parti hier soir. Nuit, nuit. Oh, oh, oh. Mm-hmm. Oh. Tu l'as eu? Nuit. D'accord, ok, ok. Je vais lui faire la commission de toute façon. Bon. Il faut rappeler, il faut non, rappeler. Non, non, moi, non, non, non. Moi, je sais pas. Non. Quand il va venir, je vais lui dire que tu as appelé. Ah, ah, d'accord, tu arrives. Quoi? Ah, d'accord. Ok. Non. On t'attend. Non. Qui l'attend? Qui l'attend? D'accord, on t'attend. Non. Ah, tu ne peux pas venir. Mm-hmm. Oui, on va venir te chercher à l'aéroport. Oh, qui va aller le chercher? Dis-lui de ne pas venir. Mais il faut rappeler, tu vas parler avec lui. Oh, mm-hmm. D'accord. Oh. De toute façon, je vais lui faire la commission. Ouais. Mais il faut rappeler, comme mais ça tu pourras lui parler. Mm-hmm. Comme ça, okay. Je lui dis que je ne suis pas là. Au revoir, Dao, à bientôt. À bientôt. Mm-hmm. Pourquoi tu fais ça? Toi-même, c'est quoi même? Mais c'est quoi? Tiens pour ton portable. Oui, mais t'as gâté, tu as tout gâté. Tu me donnes le téléphone, je ne peux pas appeler. Je ne peux même pas lui parler, tu es là, tu me mélanges. Mais j'ai dit hier nuit. Quelle hier nuit? Nuit, hier. Hein? Oh, laisse-moi, tu me fatigues là. Oh, tu as gâté, tu ne pourrais pas lui dire qu'il y a la guerre dans le pays? Quelle guerre? Toi-même, quand il va appeler, tu vas lui dire qu'il y a la guerre. Mais pourquoi tu ne veux pas qu'il vienne même? Il ne doit pas venir ici. Il doit mais pas pourquoi? Venir. Le cauchemar. Quel cauchemar? Le cauchemar d'hier nuit là, c'était lui. Regarde, vos histoires de cauchemars, oh. Famille, sorcellerie là, je ne suis pas dedans. Hein. Mais s'il appelle là, il ne faut plus me le passer. Bonjour, monsieur, dame. Bonjour, madame. Ah, excusez-moi du dérangement. Mais je demande après ma copine Nasto. Nasto? Ça fait longtemps qu'on l'a vue ici. Nasto? Ah bon? Oui. Vous ne savez pas où est-ce que je peux la joindre ou la trouver? Je vous ne savez pas? Si, elle habite au quartier millionnaire. Au quartier millionnaire? Oui. Elle a construit une nouvelle maison là-bas. Oh, elle a construit une nouvelle maison. Ah, ça c'est super ça. Et c'est où le quartier millionnaire? C'est à la Riviera. À la Riviera? Oui. Oh, d'accord. Merci bien, mademoiselle. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Au revoir. Et bon après-midi. Merci, merci, c'est gentil. Au revoir. Ok, je trouve ma copine. Ah, la chaîne, il y a longtemps. Et celle-là, ça ne vous plaît pas? Vous voulez pas les grands cylindrés là? Oh non, non, non. Ça, c'est trop grand pour moi. Trop grand? Ouais, c'est trop grand. Je préfère la petite, la rouge. Donc vous voulez les voitures sport, alors vous voulez pas les grands cylindrés? Ouais, je préfère la rouge. J'ai déjà choisi. La rouge? Ouais, je préfère. Celle-là, elle vous convient? Elle me convient très bien, c'est ça. Ok, donc le contrat, c'est pour combien de semaines? Tout juste pour une semaine. Je suis venu pour chercher mon frère là. Votre frère? Oui, il s'appelle Gou. Ah, il paraît qu'il est très célèbre ici. Oui, oui, oui. Vous pouvez le trouver dans les maquis, les bois de nuit d'Abidjan. On le connaît partout, c'est même pas un problème. Ok, donc faites-moi le reçu. Ok, c'est monsieur? C'est monsieur Dao. Okay. Ouais. Pour une semaine, vous avez pour une dit. Semaine. Je vous ramène la voiture à la fin de cette semaine. À la fin de cette semaine. Oui, parce que je pars le lundi. Okay. Donc pour une semaine alors. Oui, pour une semaine. Ok. D'accord. Voilà. Voilà votre contrat. Ok. Voilà votre clé. Voilà. Vraiment, bon, merci okay. beaucoup. Merci, vous êtes madame. Passé chez nous. Hein. Ok, il n'y a pas de Et problème. Je suis sûre que vous allez le retrouver sans problème. Non, je vais le retrouver. Monsieur Animel, bon. Vous pouvez enlever rapidement la pancarte. Bon. Ok, au revoir, merci madame. Beaucoup. Au revoir. Ok, merci. Donnie,
Je me demande comment tu fais pour toi là-haut. Comment tu fais pour toi là-haut. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Go est là. Qui est Go? Vous ne connaissez pas Go? Je ne le connais pas. Mais le monsieur qui habite ici s'appelle Go, vous ne le connaissez pas? Mais je vous dis, je ne connais pas. Donc c'est vous qui habitez ici maintenant? Oui, et longtemps que je suis là. Là... Il y a un problème? Non, il n'y a pas de problème. Mais où est-ce que je vais le trouver celui-là? Ok. Bon, merci monsieur. Ok, merci. Franck Badji, la présence d'un homme sous Herman Akanga, la réussite à un nom. Iwai, le docteur du sous-sol, qui transforme le chigom en médicament. Je me demande comment tu fais pour toi là-haut. Comment tu fais pour toi là-haut? Tu as parlé. Je me demande comment tu fais pour toi là-haut. Bonjour monsieur. C'est ici qu'habite Nastou. Oui, effectivement. Puis-je la voir? Qui dois-je annoncer? Wabi. D'accord, un instant, je vous annonce. D'accord. C'est ça la life. On est ensemble. Ou bien Krikata, Krikata, Krikata. C'est pas ce qu'il m'a montré sur la photo. Bon sang, qu'est-ce qui m'arrive? Mais regardez-moi tout ça là. C'est quoi ça? Je me demande. Mais avec ça, je le cherche partout et je ne le retrouve pas. Je me demande comment tu fais pour toi là-haut. Comment tu fais pour toi là-haut. Oh, on s'en fout de toi. Il est maillé, Sunguru ya télé de Dunyaba. Il est maillé, Sunguru ya fana de Dunyaba. Il est maillé, Kamele ya télé de Dunyaba. Il est maillé, Kamele ya fana de Dunyaba. Ni le baké, ni le Sunguru ya ké. Merci bien, monsieur. Merci. Mais c'est beau, c'est splendide! Oh, ma copine! Elle a le même goût que moi, c'est pas pour rien qu'on est amis! Oh, merci bien, monsieur! Herman Akanga, la réussite à un Vous avez vu ce que Gou m'a fait? Vous avez vu ce que Gou m'a fait? Il a complètement foutu ma vie en l'air! J'ai parcouru tous les terrains! Et tout est perdu. J'ai vu des coups commis sur certains et des fausses villas sur d'autres. Et chose grave, il y a certaines personnes qui m'ont présenté des papiers d'acquisition. Ça prouve qu'il a tout vendu. Mais celui-là, si je l'attrape, je le fous en prison. Eh, tu as le courage de foutre en prison ton cousin? Ah. Ben, nous sommes ici, on voit tout et on sait tout. Il sait go où? C'est un cas. Très sincèrement, c'est un cas. Tu vois, au moment où l'agent était là, c'est viré nocturne, en boîte avec les filles. Il travaille même sur les gens. Mais pourquoi vous ne m'avez pas appelé? Pourquoi? Ben, c'est nous, on connaît papier. Ah. C'est Gou qui connaît papier. Oui. Et il a géré. Voilà. Tu sais, Dao, Gou, c'est ton cousin direct. Et tu le sais très bien. Même s'il a commis une faute grave, tu n'as pas à le mettre en prison. Tu vas salir la famille. Salir la famille? Oui, salir la famille. Je dis cravacher dur pour avoir l'argent qu'il a gaspillé. On le sait. Et vous me demandez de ne pas réagir. Ok, je vais salir la famille, non? Mais si je l'attrape, je le tue et je me tue. C'est trop facile, ça. Jusqu'à ce point, Dao. Dao. Laisse-le partir. Ok. Quand il faisait venir l'argent, il nous connaissait. Non. Pas du tout, ça c'est son problème, ça. Là, quand le voir là-bas. Là, quand le chercher. Quand lui était doux, là, il ne nous voyait pas ici. Ah.